Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir la leçon de la vitesse. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître l'expression de la vitesse moyenne et son unité, reconnaître la nature d'un mouvement, être conscient des dangers de l'excès de vitesse, s'informer sur la sécurité routière. La sécurité routière, c'est la matologie. Paragraphe 1, la vitesse. La vitesse moyenne. Sur'a al-mutawassita. Un automobiliste a parcouru une distance de 80 km en 1 h 30 avec une vitesse moyenne VM. VM, c'est le symbole de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne VM est le quotient de la vitesse parcourue D par la durée du parcours T. Bon, comment on trouve là, on écrit VM égale à D sur T. Comment on trouve la vitesse moyenne? C'est la division de la distance parcourue par le temps de parcours. Donc, VM est égal à D sur T, 80 km divisé par 1, 1 h 5, car il a parcouru 90 km en 1 h 30. Donc, la vitesse moyenne, c'est 60 km par heure. Unité de vitesse. Dans le système international SI, l'unité de la vitesse est le mètre par seconde. Ou bien on écrit m fois s à la puissance moins 1. M, c'est l'unité du mètre, s, c'est l'unité du seconde. On utilise aussi le kilomètre par heure. Relation entre le mètre par seconde et le kilomètre par heure. Bon, 1 kilomètre par heure. Bon, pour trouver ça vaut combien en mètres par seconde, voilà comment on fait. On va convertir le kilomètre en mètres, c'est 1000 mètres, et l'heure en seconde, c'est 3600. Bon, enfin, on va trouver que 3,6 km par heure est égal à 1 mètre par seconde. Quelques relations du temps qui sont nécessaires pour cette leçon. 1 heure est égal à 60 minutes, est égal à 3600 secondes. Les relations de la vitesse, c'est-à-dire à partir de cette relation, on a deux autres relations dérivées. Yani kaynen juste l'alaqat mushtaqa min hadha l'alaq. Bon, on a en gros trois relations. V égale à D sur T, c'est pour trouver la vitesse. Pour trouver la distance parcourue, c'est l'heure. La vitesse multipliée par le temps, si on veut trouver le temps du parcours, c'est T divisé par V. La vitesse instantanée, as-sur'a al-lahdiya. La vitesse instantanée d'un objet et sa vitesse à un instant précis. Yani, sur'a al-lahdiya dial wahad al-mutaharrik, et sur'a ديالو في لحظة معينة. Exemple. La vitesse donnée par un compteur de voiture ou mesurée par un radar est la vitesse instantanée de la voiture à un instant précis. العدد ديال السرعة اللي كيكون في السيارة كيعطينا السرعة اللحظية. اللحظة فاش كتشوف انت السرعة راه هذيك هي اللحظة فاش كتشوف العداد. القيمة اللي كيعطيها لك العداد هي السرعة اللحظية. ايضا السرعه اللحظيه يقيسها الرادار. La relativité de la vitesse, نسبيه السرعه. La vitesse d'un système dépend du référentiel choisi. Le référentiel choisi, c'est le g de référence, الجسم المرجعي او المرجع. En changeant de référentiel, la valeur de la vitesse peut augmenter, diminuer ou s'annuler. Bon, je vais donner un exemple. يعني ملي كنغيروا المرجع ان السرعه كيمكن ليها تزاد تنقص او لا تصبح منعدمه.
Bon, on va prendre l'exemple qu'on a pour l'automobiliste. La vitesse de l'automobiliste est 90 km par rapport à la Terre. Mais elle est nulle, c'est-à-dire la vitesse est nulle par rapport à sa voiture. Donc, la vitesse est relativiste. يتغير بتغير المرجع أو الجسم المرجعي. Paragraphe 2. Nature du mouvement. Il existe différents types de mouvements qui dépendent de la variation de la vitesse. Bon, nature du mouvement, طبيعة الحركة. طبيعة الحركة تتعلق بتغير السرعة. Bon, avant de commencer, de continuer, ce sont les points qu'on a ici, ce sont les position représente les positions d'un mobile à intervalles de temps égaux. Dans les trois cas, ce sont les positions d'un mobile à intervalles de temps égaux. يعني كيمثلوا هاد النقاط تتمثل مواضيع ديال المتحرك خلال نفس المدد الزمنية. Le mouvement d'un solide est uniforme lorsque sa vitesse reste constante pendant toute la durée du déplacement. Le mobile plutôt parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. يعني تكون الحركة منتظمة uniforme منتظمة إذا كانت السرعة ثابتة خلال مدة الحركة وأيضا أن المتحرك يقطع نفس المسافات خلال نفس المدد الزمنية. Le mouvement d'un solide est accéléré lorsque la vitesse augmente au cours du déplacement. Le mobile parcourt les distances de plus en plus grandes pendant des intervalles de temps égaux. Bon, voilà. Le mobile parcourt des vitesses de plus en plus grandes. يعني أن تكون الحركة متسارعة ملي تتكون سرعة متزايدة. وأيضا أن المتحرك يقطع أو أن المسافات المقطوعة من طرف المتحرك خلال نفس المدد الزمنية تكون متزايدة هي الحالة اللي عندنا هنا. Le mouvement d'un solide est ralenti ou bien retardé lorsque la vitesse diminue au cours du déplacement. Le mobile parcourt les distances de plus en plus petites pendant des intervalles de temps égaux. يعني تكون الحركة متباطئة إذا كانت السرعة تتناقص خلال الحركة وأيضا أن أو نقول أو أن المتحرك يقطع أو المسافات المقطوعة من طرف المتحرك خلال نفس المدد الزمنية متناقصة. إذا هذا الشيء اللي عندنا. إذن بداية انطلاق السيارة أن السرعة تتزايد، نقول أن السرعة أن الحركة متسارعة. اللحظة فاش كيبي السائق يتوقف، إذن تكون طبيعة الحركة هنايا متباطئة. Example: on donne les chronographies suivantes. La chronographie est une technique qui consiste à prendre des photos à intervalles de temps réguliers. كرونوغرافي هي تقنية التصوير التحليلي للحركة. يعني باختصار تتكون ما بين الصورة والصورة أو ما بين الصورتين المتتاليتين أو تكون نفس المدد الزمنية ما بين جميع هذه الصور. يعني هنا تكون نفس المدد الزمنية. Bon, quelle est la nature du mouvement dans chaque cas? Le mouvement est accéléré car la distance entre les positions successives augmentent. Ici, le mouvement est retardé car la distance entre les positions successives diminue. Bon, retardé ou bien ralenti. Le mouvement est uniforme car la distance
entre les positions successives est égale, ou bien reste constante, on peut dire. Ou bien ne change pas. Distance d'arrêt et sécurité routière. مسافة التوقف والسلامة الطرقية. Distance d'arrêt. DA est la distance d'arrêt. C'est le symbole DA et le symbole de la distance d'arrêt. C'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur aperçoit un obstacle ou bien un danger et l'arrêt du véhicule. هي المسافة المقطوعة ما بين لحظة ملاحظة السائق للحاجز أو الخطر ولحظة التوقف. Un automobiliste perçoit un obstacle sur sa route. Le temps de réagir, il appuiera sur la pédale de frein et parcourra une certaine distance avant d'immobiliser son véhicule. C'est ce qu'on appelle la distance d'arrêt. DA est égal à DA. DA est égal à DR plus DF. Bon, on va expliquer ça. Bon, l'instant où le conducteur voit l'obstacle, il y a un temps de réaction ou bien de réagir pour commencer à freiner. Bon, entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et l'instant où le conducteur commence à freiner, c'est ce qu'on appelle la distance de réaction. Bien sûr, il y a une distance ici parcourue. Lorsqu'elle a commencé à freiner, le véhicule ou bien la voiture, bien sûr, va parcourir une certaine distance. C'est ce qu'on appelle la distance de freinage. Bon, DR est la distance de réaction. C'est la distance parcouru par le véhicule entre le moment où le conducteur aperçoit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. Elle dépend de la durée de réaction du conducteur. La durée, yani le mouda ديال رد الفعل بالنسبه للسائق اللي كيكون في حاله عاديه ماشي تعبان ما واخدش شي مثلا مخدرات او ادويه اللي كتعيق اليقظة ديالو تتكون هذه المدة هذه في الحدود ديال واحد ثانية مدة رد الفعل. DR la distance c'est la vitesse elle est égale à la multiplication de la vitesse de la voiture ou bien du véhicule en général multiplié par le temps de réaction. Bien sûr, dans cette relation, on doit exprimer la vitesse en mètres par seconde car TR elle est en mètres en seconde. Le temps de réaction c'est en seconde. Et TR c'est le temps de réaction en seconde. DF la distance de freinage. C'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et le moment où le véhicule s'arrête. Application. Dans cet exemple, supposons que la vitesse de l'automobiliste est 90 km par heure. Il aperçoit l'obstacle à 100 mètres. Après une seconde, il a commencé à appuyer sur la pédale de frein. La voiture s'arrête après avoir parcouru 60 mètres. Quelle est la distance de réaction? Bon, la distance de réaction, on peut la trouver par cette relation dR égale à V fois T. Bon, V c'est 90 km par heure et T c'est une seconde, c'est le temps de réaction. Donc, on doit convertir la vitesse en mètres par seconde. Voilà comment on fait les conversions dans les vitesses. Bon, un athlète facile à 100 km par heure est égal à 1 mètre par seconde. Bon, athlète facile à 1000 km على الساعة المتر على الثانية عندي 3.6 باش نوصل لواحد غادي نقسم على 3.6 إذا 1000 كيلومتر على الساعة المتر على الثانية تنقسم على 3.6 العكس باش نمر من المتر على الثانية كيلومتر على الساعة عندي واحد 3.6 باش ننتقل من واحد
3.6 كنضرب 1 في 3.6 اذا اي قيمه عندي بالمتر على الثانيه باش يطلب مني نحولها الكيلومتر على الساعه كنضرب في 3.6 دونك في ايغال 90 كيلومتر باغ اور ايغال 90 ديفيزي باغ 3.6 سا دون 25 متر باغ سكوند دونك دي ار ايغال 25 متر باغ سكوند فوا Une seconde, ça donne 25 mètres. On va simplifier les secondes. Voilà, on va trouver 25 mètres. Quelle est la distance de freinage? C'est DF égale à 60 mètres. Car lorsqu'elle a appuyé, elle a commencé à appuyer sur la pédale de frein, la voiture s'arrête après avoir parcouru 60 mètres. Quelle est la distance d'arrêt? La distance d'arrêt, c'est la somme entre la distance de réaction et la distance de freinage. 25 plus 60, c'est 85. L'automobiliste va-t-il heurter l'obstacle? Bon, on va comparer la distance d'arrêt avec 100 mètres. Bon, 100 mètres, elle est supérieure à 85 mètres, donc la voiture s'arrêtera avant de heurter l'obstacle. Donc, elle ne va pas heurter l'obstacle. Sécurité routière. Les causes des accidents de la route peuvent être variées. Cependant, la majorité des accidents sont dus à un non-respect des règles de circulation, distance de sécurité, refus de priorité, dépassement dangereux, un excès de vitesse, une conduite selon prise d'alcool, un défaut d'attention, attention perturbée, une attention, distraction, l'usage du téléphone ou volant, la fatigue et la somnolence. La somnolence, la prise de médicaments, une conduite sans permis. Bon, on a l'asbab ديال الحوادث متعددة. لكن كلها يعني كترجع لعدم احترام ديال القوانين ديال السير. إذن كاين عندنا ديستونس دو سيكوريتي يعني مسافة الأمان ما بين السيارة والسيارة. Refus de priorité, يعني عدم احترام حق الأسبقية وتجاوزات الخطيرة إذا في الخط المتصول في المنعرجات إلى غير ذلك excès de vitesse يعني الإفراط في السرعة تناول الكحول أو المخدرات بصفة عامة عدم انتباه العياء والنعاس تناول بعض الأدوية كتكون بعض الأدوية يشار على أنها لا يجب أن تؤخذ قبل السياقة وأيضا السياقة بدون رخصة إذن هذا بالنسبة لهذا الدرس وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه